Alors, Frédéric Begbédé, aujourd'hui nous sommes à l'Alcazar. Vous allez présenter votre dernier livre, Una et Salinger, et vous allez également rencontrer vos lecteurs. Alors, justement, nous avons demandé à nos City Posters de vous poser quelques questions sur ce roman entre fiction et réalité. Première question pourquoi est-ce que vous avez écrit sur J.D. Salinger Je suis très admiratif de mon contraire. C'est un écrivain très secret et puis moi, j'ai tendance à, à être exhibitionniste. Donc, euh, je crois qu'il faut toujours, euh, euh, il faut toujours être un petit peu attiré par ce qui est différent de nous et essayer de, de comprendre l'inconnu. Donc justement, vous avez choisi d'inventer sur la romance entre Salinger et Una. Donc, c'est votre partie fiction. Pourquoi Non, c'est pas tout à fait inventé. Ils ont vraiment flirté ensemble hein, quand il, lui avait 21 ans et elle 15. Euh, c'est une histoire très belle qui n'a pas duré très longtemps. Et euh, simplement, il y a beaucoup de choses euh, qu'on ignore. Donc, je suis obligé de, euh, ben, de reconstituer les décors, les, les dialogues, euh, d'imaginer euh, comment ils se disputent, comment ils se réconcilient, comment ils partent à la guerre et tout ça. Voilà. Et c'est votre auteur préféré. Est-ce que vous aussi, un jour, vous pouvez envisager comme lui de disparaître et d'arrêter d'écrire, euh, d'arrêter euh, d'intervenir à la télévision, par exemple est-ce que c'est un souhait de votre part ou c'est Personnellement, non. non Ce n'est pas un souhait de ma part. C'est votre CD poster qui a dit Mais quand est-ce qu'il se casse Quand est-ce qu'on ne le verra plus jamais Non, mais c'est vrai que c'est un fantasme vraiment pour un écrivain de disparaître. Pourquoi Parce que ça veut dire faire complètement confiance à son écriture et ne plus s'interposer entre le livre et le lecteur. Et je crois que euh, c'est pour ça que j'admire les, les écrivains qui, qui se cachent. J'ai pas cette force, mais ça demande beaucoup de confiance en soi et en, son, et en sa littérature. Actuellement, ici à l'Alcazar, il y a une projection, euh, La Trappe Salinger, auquel euh, ben, on vous voit euh, tout au long euh, de, de ce documentaire en train de chercher de Salinger. Euh, comment vous avez vécu de ne pas le trouver <laughs> Non, mais en fait, c'était assez... Euh... C'est un peu une escroquerie ce, ce documentaire parce que pendant une heure, je, je parle à des écrivains, à des fans de Salinger partout dans le monde, à Paris, à New York. Et, et finalement, je savais dès le départ que j'allais pas le voir parce que Salinger ne voyait personne, parce qu'on ne savait pas où il habitait. Et même si j'avais trouvé la maison, c'est vrai qu'à la fin, je, je, je suis presque devant chez lui, euh, si j'avais sonné, il n'y aurait pas eu de réponse, il y aurait eu juste probablement un garde du corps ou, ou un chien qui m'aurait mordu. Alors aujourd'hui, vous êtes à Marseille, on a un city poster qui nous a demandé est-ce qu'un jour on aura un livre de Frédéric Becbenet sur Marseille En fait, la question de ce city poster euh, revient à me demander quand est-ce que j'emménage ici Eh bien, écoutez, pourquoi pas euh, J'ai un ami qui a vécu ici pas mal de temps, Edouard Bert, et il était tombé amoureux de, de la ville et il m'en a toujours dit énormément de bien. Et je dois dire que ce matin, j'étais à Paris dans la grisaille et la mauvaise humeur euh, ambiante. J'ai pris un train, trois heures après, le ciel était bleu, le soleil, une lumière sublime, et je ne parle même pas des jeunes filles qui viennent me poser des questions, donc je suis au paradis.